Alors, bonjour tout le monde. Welcome everybody. We might give a few more minutes for people to arrive. Alors, ça commencera dans quelques minutes. On veut juste attendre quelques instants, laisser la chance aux gens d'arriver. Alors, si vous voulez bien, on va commencer tranquillement. Alors, merci à toutes d'être ici. Bienvenue. Welcome everyone. Thank you very much for joining us today. Alors, can you hear me? D'accord. Allons-y. Alors, l'événement d'aujourd'hui est donc traduit. Vous pouvez voir en bas à droite de votre écran un petit icône qui dit « Interprétation ». Vous pouvez cliquer dessus et choisir la langue de votre choix. Comme moi, je vais me promener entre les deux langues, changer de l'anglais au français, et nos invités aussi vont parler français et ou anglais. Je vous invite donc à activer l'interprétation à moins d'être très confortable dans les deux langues. So, as I was saying, the webinar today is going to be translated. So, there is live interpretation available. You can just click on the bottom right of your screen on the icon that says interpretation and choose a language of your choice. I'm going to switch from French to English, and our guests as well will speak either French and or English. So I suggest you turn on the interpretation unless you're very comfortable in both languages. Alors, sur ce, before we start, I would like to thank the Center for Feminist Research and the Liberal Arts and Professional Studies faculty at York University for their support in organizing this event. Je voudrais aussi remercier le Centre de recherche en innovation et transformation sociale de l'Université Saint-Paul pour leur soutien dans l'organisation de cet événement. Alors, comme on va parler de violence aujourd'hui, je voudrais I would just like to acknowledge that I am located on unceded indigenous land today, the Ganyangaga Nation. Has traditionally been recognized as custodians of the lands and waters on which I stand today. So Jodrague in Montreal has historically been a gathering place for diverse Indigenous people and First Nations. And today it is a home for a diversity of Indigenous and other populations. So I want to recognize and respect the past
the present and the future connections, and the ongoing relationships of the different communities within the Montreal community. Alors sur ce, je voudrais remercier nos panélistes d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Elle se passe d'introduction, mais je vais quand même les présenter. Alors, on a Judith Butler, qui est philosophe et professeure à l'Université Berkeley en Californie. Ses travaux portent principalement sur le genre, la théorie queer et la vulnérabilité. Yale a publié différents ouvrages très influents, dont bien sûr « Troubles dans le genre », « Vie précaire » et le livre dont il est question aujourd'hui, « La force de la non-violence ». Françoise Vergès is a decolonial anti-racist feminist, an independent curator and a writer. She grew up in La Réunion, raised by anti-colonial communists and feminist parents. She has lived in Alger, then Paris, where she worked as a journalist and feminist editor. Vergès has been president of the Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, has managed a prefiguration team for a post-colonial museum in La Réunion, has written movies, and in 2015 was one of the co-founders of the Décolonisons les Arts Association. Her recent publications include Of Colonial Violence in the Public Space, A Decolonial Feminism, and A Feminist Theory of Violence, of which we will speak of today. And finally, Elsa Dorlin is professor of contemporary political philosophy. Elsa Dorlin est professeure de philosophie et politique à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont La matrice des races, Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, Sexe, genre et sexualité, et Se défendre, une philosophie de la violence. Donc voilà, le webinaire aujourd'hui a pour but de discuter de leurs travaux récents qui portent sur la violence, non-violence, protection, autodéfense d'un point de vue féministe, antiraciste et décolonial. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? Ce sera un dialogue qui va être articulé autour de trois questions principales qui seront entrecoupées et ou suivies de questions du public. Alors, I invite you to share your questions. Je vous invite à partager vos questions dans la boîte de messages. Vous pouvez énoncer ces questions à n'importe quel moment, soit des questions techniques aussi. Une fois qu'on aura commencé, je vous demande, si possible, de réserver la section questions-réponses pour des questions et les questions techniques dans la boîte principale de messagerie. Alors, voilà. Je pense qu'il y a un certain enjeu technique avec l'image. Donc, on va essayer de régler ça. Je vais juste demander, Professeur Butler, Professeur Dorlin, Professeur Vergès, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes capable de nous répondre? Oui. Parfait. Oui, on peut voir, on vous entend. Merci, Françoise. Alors, j'entends votre voix, mais je ne vois pas votre image. Et moi, je me vois, je vois Judith, je vois Elsa, je vous vois. Parfait. Et pour les autres, Elsa, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Merci. Enfin, je vous entends très bien. Parfait. Alors, si tout va bien, on va commencer. Yes, I see everyone. Perfect. Thank you. Alors, on va commencer avec la première question, si vous voulez bien. Alors, vos livres abordent toutes les thèmes de les questions de violence et notamment les stratégies de résistance pour y faire face. Mais ce sont des projets qui sont quand même bien différents. So, Professor Butler, you revisit the practice of nonviolence as something rooted in social bonds and interdependency, rather than as an individual moral stance. Professeur Vergès, vous explorez les violences étatiques dans une perspective décoloniale, donc à l'encontre d'un féminisme carcéral et punitif.
Et professeur Dorlin, vous explorez une généalogie et une phénoménologie de l'autodéfense entre, d'un côté, la notion de légitime défense chez les puissants et, de l'autre, les éthiques martiales de soi, de celles et de ceux qui n'ont pas le droit de se défendre. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre thèse principale? Can you tell us more about your main argument? Alors, si on pouvait commencer avec Judith, Professor Butler, if you want to start. Floor is yours. Professor Butler, si vous pourriez commencer. Merci beaucoup. Donc, je crois que mon argument primaire est multiple. Ça prendra peut-être un petit moment pour expliquer. D'une part, je fais un cas pour les tactiques de non-violence pour la gauche, mais mon idée de non-violence est une qui inclut de l'agression et de la force. Donc, l'argument que je tente de faire pour la non-violence est simplement que quand nous défendons nous-mêmes, quand nous résistons, nous devons s'assurer d'utiliser des stratégies qui préfigurent le monde que nous voulons voir. En autre mot, je suggère ou je discute que ça serait une erreur de reproduire les structures de violence que nous opposons. Donc, cela ouvre la question à quel type de force et de résistance et quel type d'agression cultivée existe-t-il qui peuvent résister la violence de façon justifiable sans répliquer les structures de la violence que nous résistons. C'est une question ouverte et, de certaines façons, c'est une méditation sur cette question. Je n'ai pas une perspective principale, un cadre de principe que j'impose sur toutes les situations. Je ne suis pas intéressée à un principe absolu de non-violence. Je suis intéressée à penser à ça en tant que pratique, comme une pratique ouverte pour refuter l'idée que la non-violence provient d'un calme ou d'une place pacifiste. D'autre part, je discute que je crois que une chose que professeur Dorlin et professeur Gergès, je crois qu'elle serait d'accord à dire, il serait quelque chose qu'elles appellent la force légitime et des formes passées de résistance légitime contre l'État, comme des choses chaotiques ou de violence terroriste pour le besoin de contrôle sectarien. Donc, j'essaie de trouver comment est-ce que la violence au sens plus large, et peut-être c'est quelque chose qu'on pourrait discuter, réussit à masquer et à rationaliser sa propre violence comme une force légitime et d'externaliser la violence comme si elle était la seule propriété et la seule caractéristique de l'État. Cela devient particulièrement vrai en Palestine, comme exemple, et ça, c'est un exemple dont j'aimerais discuter. C'est aussi un exemple de pouvoir colonial où les Palestiniens résistent, où la résistance palestinienne résiste très souvent des formes de violence, même par exemple à travers le boycott, le divestissement, d'autres tactiques qui sont des coûts, et je crois que les coûts, ce sont des choses intéressantes parce que c'est sur un peu la frontière de violence et non-violence, et elles sont souvent perçues comme des gestes ou des actes de terroristes ou des menaces à l'État ou directement aux personnes juives. Et les Palestiniens sont souvent décrédités ou inéligibles à la décriminalisation. Alors, c'est pour ça. Il y a l'élaboration d'un complexe carcéral énorme envers les Palestiniens qui se prononce contre la violence coloniale de l'État. Donc, ça prend une forme de violence légale et on peut parler de ça aussi plus tard.
Thank you very much. Merci beaucoup. Professeur Vergès, maybe if you want to. Professeur Vergès. The floor is yours. Cite à vous. Bonsoir. L'argument principal de dans mon livre, en fait, ça a commencé par des constats, notamment l'incroyable écart entre tout le discours de protection, la multiplication de lois de protection, le discours de la protection des enfants, des femmes, enfin, incroyable, partout il y a des dangers, surtout autour des enfants, et l'incroyable augmentation de la violence par le même État. Donc, comment ces deux choses n'étaient pas du tout en contradiction, mais qui devait être protégé et qui ne devait pas être protégé. Donc, ça partait de là. Un deuxième point, c'était la criminalisation, un peu ce que le professeur Butler a parlé, la criminalisation de tout, même de tout geste de dissidence ou de désaccord. Que ce soit évidemment tout le mouvement autour du soutien à la Palestine, mais aussi même la solidarité avec les réfugiés, la solidarité même par exemple dans la protection dans les manifestations qui est prise comme quelque chose contre la police. Donc cette criminalisation constante qui en fait est utilisée pour la protection d'une bonne société. Et cette bonne société doit constamment être protégée de ces personnes. Et en France notamment, on a vu que avec la répression contre le mouvement de ce qu'on a appelé les Gilets jaunes, que finalement ont été touchées aussi d'autres personnes que simplement les communautés, les groupes qui avaient été constamment touchés jusqu'à présent, c'est-à-dire les personnes racisées, les Noirs, les Arabes. Donc ça, c'est cela. Et puis évidemment, le rôle que joue le féminisme carcéral et punitif dans la justification de toutes ces lois que prend l'État. Et cet appel donc, qui est fait à l'État de protéger encore plus, alors que c'est l'État lui-même qui, évidemment, produit ces violences. Donc, c'était entre une saturation de violences d'un côté, un état de guerre permanent, vraiment de guerre permanente, et pas seulement la guerre, les bombes qui tombent sur les gens, mais la guerre qui est faite tous les jours au sud global, aux communautés pauvres, aux noirs et racisés, et cette constamment discours de la protection qui en devient même très sentimental, très vraiment faisant appel à des sentiments de pitié, de charité, et qui reproduisait aussi pour moi, faisait écho à un discours colonial de protéger le monde civilisé des barbares. Donc, qui faisait écho, puisque je trouvais que ça faisait écho. Donc, c'était, et là aussi, de réfléchir, évidemment, de parler de toutes les stratégies que des peuples et des communautés ont mis en place depuis très longtemps, d'autodéfense, et de voir comment imaginer, justement, de travailler constamment à imaginer un monde qui serait moins saturé par la violence. Mais pour moi, la violence, donc, c'était pas simplement la violence directe de l'État, mais la violence constante qui est produite par le capitalisme et l'impérialisme, c'est-à-dire le fait que, notamment ce qu'on a vu avec la pandémie, le fait que les corps épuisés, les corps les fameux métiers essentiels mis en avant, et donc les personnes épuisées, cet épuisement, cette économie d'épuisement que le capitalisme racial et la misogynie, le patriarcat mettent en place, et qui pour moi aussi relève donc d'une violence constante. C'est cette saturation vraiment quotidienne de la violence sur tous les aspects de la vie, et alors que de plus en plus le discours de la protection de la nature, des plantes, des bébés, de tout ça se multiplie avec des lois et des espaces qui eux seront protégés, comme des réserves, une multiplication de parcs, de gated communities qui sont là réservés pour la protection. Voilà. Merci beaucoup. Professeur Dorlet. Oui, merci beaucoup. Bonsoir et merci pour l'invitation. Dans mon travail, et merci pour les interprètes, dans mon travail, je distingue effectivement la notion de légitime défense et ce que j'essaie de travailler ou d'englober sous le terme d'autodéfense, donc de bien distinguer ces deux termes.
Et sur la notion de légitime défense, on est notamment, je pense, à l'actualité française et au meurtre il y a quelques jours à peine d'une automobiliste, d'une passagère dans une voiture lors de l'intervention d'une patrouille de police alors que la voiture était arrêtée, que le conducteur était interpellé, mais le refus d'obtempérer en fait de l'automobiliste a autorisé légitimement la police à tirer plus d'une dizaine de balles et à tuer une passagère. Donc cette question de la légitime défense, au fond, elle pose l'enjeu dans nos vieilles démocraties, en l'occurrence la ouest européenne, d'un permis de tuer. Et aussi, elle peut être pensée à l'aune d'une crise majeure de l'État répressif. Et en fait, elle vient radicaliser ce qu'on pourrait reprendre comme ligne de démarcation entre des vies qui sont dignes d'être défendues et protégées et des vies qui sont exposées au risque de blessure ou de mort. Et ça, non seulement socialement, juridiquement, corporellement, mais aussi dans un dispositif qui est celui de l'État, d'un État de droit et d'une police. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est au fond de refaire cette généalogie d'un point de vue, du point de vue de la philosophie politique et de le faire au fond pour essayer de comprendre l'État et de repenser l'État à partir d'une approche féministe et décoloniale. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au fond, la citoyenneté moderne, elle est comprise dès l'origine avec une sorte de droit dit naturel, qui est le droit de conserver sa vie et le droit de se faire justice soi-même. Et ce droit, au fond, qui définit la citoyenneté juridico-politique, ce droit est constitutif hein, dans les démocraties modernes et contemporaines occidentales. Et au fond, c'est justement ce droit de conservation et ce droit de justice qu'on va, en quelque sorte, contractualiser dans le cadre du pacte social avec l'État. Et en retour, l'État se doit, comme un devoir, de protéger justement ses citoyens et d'organiser, au fond, de réguler la conflictualité et la violence civile dans le cadre des tribunaux et dans le cadre d'une organisation pénale. Donc ça, c'est de la belle histoire que nous raconte la théorie politique. Mais si on fait, en fait, si on refait cette histoire du point de vue de l'Empire, c'est-à-dire si on reprend l'ensemble de ces concepts que sont la légitimité, la défense, la conservation de la vie, la citoyenneté, si on refait la généalogie de ces concepts du côté d'une histoire impériale et en se situant du côté de l'Empire, eh bien là, finalement, on arrive à une situation tout à fait différente où finalement la question de la légitime défense, elle est constitutive de la colonialité, elle est constitutive de l'organisation de la colonie et au fond, historiquement et philosophiquement, c'est la figure du colon qui représente justement ce citoyen à qui l'État délègue un droit de conservation par tous les moyens et un droit d'auto-justice, c'est-à-dire un permis de tuer. Et on voit bien ce qui était intéressant de voir, c'est au fond les deux traditions atlantiques, si on prend notamment la France et l'Amérique du Nord, on a eu souvent tendance effectivement à considérer qu'en Amérique du Nord, il y a toujours la possibilité pour les citoyens, compris comme des vigilants, des justiciers, de reprendre en permanence ce droit à la légitime défense. Et on voit bien qu'il s'agit au fond de la définition d'une citoyenneté blanche. Et on a souvent dédouané la France notamment en disant en France il n'y a pas ce problème de légitime défense armée et il y a un monopole de l'usage légitime de la violence par l'État. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au fond il n'y a pas de monopole à proprement parler, mais il y a une rationalisation d'une délégation de ce permis de tuer à une minorité dominante. C'est-à-dire en termes de privilèges, évidemment de classe, de couleur et de genre. Parfait, merci beaucoup.
Alors, si je vois bien que vous vous rejoignez beaucoup en termes surtout de la violence, notamment étatique, mais je dénote une certaine peut-être tension ici entre, d'un côté, une différence qui est faite entre, si on veut, la violence des dominants et la violence des personnes qui se défendent en contexte de survie. Et d'un autre côté, Judith Butler, if I understand your argument, well, there is this... Si je comprends bien votre argument, Judith Butler, vous faites une différence entre la violence qui est utilisée contre nous et la violence qui est utilisée pour se défendre. Le projet que professeur Butler essaie d'approcher. Je vais laisser librement s'il y en a une de vous qui veulent rebondir là-dessus. I think what I'm hearing is maybe something. Ce que j'entends quelque chose de différent. D'un côté, il y a une violence d'État qui s'exprime via la police d'État et la violence de la police. Et une violence policière qui s'auto-légitime. Mais il y a d'autres formes de violence, la violence coloniale, par exemple, qui peut être comprise comme une violence étatique, mais aussi comme des pratiques d'autoprotection de certains pouvoirs administratifs et des modes de régulation qui produisent et reproduisent des pratiques racistes, des géographies spatiales racistes qui cherchent à légitimer le contrôle par la violence de certaines régions en utilisant l'argument de la protection. Donc pour moi, c'est deux enjeux différents. Right, duty, freedom. Puisque la police voit comme sa liberté, son droit de pouvoir mettre fin, par exemple, à la vie du conducteur d'une voiture parce qu'ils ont perçu un risque dû à cette perception racialisée. C'est lié à une logique sécuritaire, c'est lié à tous ces discours sécuritaires de la protection. Et ça vient légitimer et intensifier le contrôle social. On pourrait y voir des contradictions, mais il faut comprendre que la violence prend de nombreuses formes. Parce que quand on parle de la violence de l'État, on peut parler des politiques, on peut parler des militaires, de la police, des prisons, on peut parler des politiques migratoires. Ce sont de nombreuses formes de violence étatique. Par exemple, les acteurs humanitaires en ce moment dans la Méditerranée sont criminalisés pour essayer de sauver des vies des gens qui cherchent à traverser. Puisque c'est la logique de la protection du territoire européen qui, à ce moment-là, est en jeu, de par son pouvoir colonial. Donc, je pense qu'il y a de nombreuses versions de la violence. Je pense qu'on doit aussi réfléchir à la violence psychologique et à la dégradation des modes de vie, qui sont peut-être des formes plus lentes de violence, mais qui ont un impact de la même façon. Par exemple, si on vous traite comme si vous n'existez pas tous les jours, si on vous dit que votre existence, si les actions de la police, si les politiques d'État nient votre existence, c'est une violence quotidienne que vous vivez. Et je pense que je parlais trop vite, mais non, tout va bien. On va pouvoir continuer d'approfondir sur le sujet. Françoise, Elsa, je ne sais pas si vous vouliez rebondir rapidement. Moi, très rapidement, en fait, juste pour
par rapport à ce que dit Judith. Je crois vraiment qu'on peut penser aussi abandonner l'idée d'une... bien sûr, il faut différencier et spécifier les modalités de la violence et les agents de la violence et les institutions, et en particulier la violence étatique. Mais je crois vraiment qu'on a une sorte de... peut-être de voile sur la question de la violence d'État et ensuite de l'exercice de la violence qui serait davantage en fait interne à la civilité. Et alors même qu'on pourrait presque penser qu'il y a une forme de rationalisation de cette délégation de la violence, c'est-à-dire au fond, l'État organise la non-protection ou l'exposition de la violence de certaines personnes et de certaines vies, précisément parce que c'est une forme aussi d'économie, c'est-à-dire qu'il délègue, il y a une sorte de mandat qui va être délégué à des individus, les propriétaires, par exemple à travers la propriété privée, à travers l'idée que défendre sa propriété privée, à travers l'idée qu'il faut défendre sa famille, à travers l'ensemble de ces constructions. Et sur la question de la violence à proprement parler, dans une certaine mesure, c'est intéressant de voir le concept de tactique non violente de Judith restaure l'idée de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la passivité, mais qui a à voir avec l'agression, avec la puissance, avec l'explosion. Et dans une certaine mesure, lorsque moi j'investis le concept d'autodéfense et de violence, c'est-à-dire avec non pas l'intention de légitimer l'usage de la violence, mais avec cette idée qu'on peut faire, on peut appréhender la violence d'une autre façon que ce que nous impose le cadre d'intelligibilité dominant, et que cette violence, dans un sens très fanonien, on peut aussi la comprendre comme une puissance vitale de survie qui, dans une certaine mesure, est la seule chose qui reste à ces vies qui sont laissées sans défense, exposées justement à la brutalité, ou qui sont considérées comme indéfendables parce que barbares, parce que envahissantes, parce que tuables, parce que jetables. Autrement dit, il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, d'une réflexion sur... que faire avec la violence qui nous traverse, comment la convertir au sens vraiment de Fanon, de la conversion de la violence, et qui permet de retravailler en fait l'ensemble des pratiques de résistance qui permettent de montrer aussi que nous sommes probablement dans une situation, je ne dis pas que c'est la première fois ou que c'est inédit, mais probablement que nous sommes dans une situation où nous sommes forcés de comprendre l'agir politique comme une forme d'autodéfense, c'est-à-dire que comme si nous en étions à défendre la possibilité même d'une vie ou à défendre une vie possible face à un régime qui, et je comprends à la fois l'État et l'organisation évidemment capitaliste dans lequel il s'associe, comme le disait Françoise, qui constitue en fait un régime complètement mortifère ou un régime d'exposition graduée au risque de mort. Merci. Françoise, rapidement. Merci. Oui. Pardon. J'approche aussi la violence, pour rebondir sur ce que disait Judith et Elsa, de la production d'un monde inhabitable et irrespirable, c'est-à-dire de prendre au mot aussi « je ne peux pas respirer »,« I can breathe », et de voir que cette question de l'irrespirable, elle est évidemment produite par la violence policière, mais elle est produite aussi par toute une série de choses, c'est-à-dire il y a toute une série de personnes qui ne peuvent pas respirer, qu'on ne peut pas respirer, et que respirer, c'est pas bon, c'est on, quand on dit l'air, c'est irrespirable, on parle de l'air, mais on parle aussi de la politique, du fait qu'on ne peut pas parler, qu'on n'arrive pas à respirer.
Donc, quand justement cette expression de slow violence, but also invisible violence, I mean, ce qui ne se voit pas nécessairement, ce qui n'est pas la matraque du policier ou le fusil du policier, mais aussi qui constamment mine les vies tous les jours. Je veux dire, c'est ce que cet épuisement qui est sur les corps constamment et qui fait, pour reprendre l'expression de Ruth Wilson Gilmore, qui fabrique de la vulnérabilité à une mort prématurée. C'est-à-dire qu'il y a des millions, des milliards de personnes qui sont condamnées à une mort prématurée chaque jour. C'est pas parce qu'il y a seulement la guerre à un moment donné ou quelque chose, c'est que chaque jour, par l'État, mais aussi avec évidemment tout un tas de complicités, il y a ce que Elsa disait, ce permis de tuer, il est évidemment fait par la police, et on le voit tous les jours, par la ségrégation urbaine, mais aussi par cette économie qui fait que de toute façon, pour des milliards de personnes sur Terre, des milliards de personnes, elles sont condamnées à une mort prématurée, à une vie irrespirable et à un monde inhabitable. Et ce monde inhabitable, il est de plus en plus inhabitable pour des milliards de personnes. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la crise, le désastre climatique, les pandémies, et c'est de cette violence-là aussi que je parlais, dont je parlais, c'est-à-dire que qui commence effectivement, comme le rappelait Elsa, avec la colonie, et qu'on voit encore aujourd'hui dans la colonie, quand on voit que par exemple, il y a des terres entièrement contaminées, la terre, les corps, les rivières, les plantes, profondément contaminées par l'État, par les politiques de l'État, qui délèguent justement la contamination, la mort, aux pays extérieurs au sud, ou dans les communautés pauvres du Nord global. Donc c'était pour moi, c'est ça aussi, cette violence, c'est-à-dire de peut-être d'insister sur la production quotidienne d'une violence extrême, mais extrême. Voilà, donc c'est... Et évidemment, donc... toutes les questions de défense, d'autodéfense, et j'entends tout à fait ce que dit Judith, parce que je trouve que c'est très important, puisqu'il y a beaucoup aussi d'épuisement, on pourrait dire, à avoir mené des luttes de manière trop, comment dire, d'avoir pris trop les armes, on peut dire, des autres, et de ne pas avoir peut-être développé suffisamment de stratégies. Et bon, pas dans le livre dont on parle, mais... plus récemment, justement, je parlais avec des amis recréer des refuges et des sanctuaires, c'est-à-dire de créer des refuges où pas sur le mode évidemment de sortir de cette vie qui est trempée dans le fer de la violence. Pour pouvoir se reconstituer, mais qui peuvent aussi être, je sais pas, des endroits de vie, justement, des endroits de vie, de solidarité, mais aussi de repos, je sais pas, de lecture, parce qu'il me semble vraiment que ce que disait Elsa, de ces corps complètement soumis à une constante violence, comment se défendre, et donc cette élaboration de d'armes quotidiennes contre cette violence, pour que justement nous ne soyons, enfin nous, pas moi, parce que je suis justement pas, je fais pas partie de ces personnes condamnées, mais de ces milliards de personnes condamnées à vraiment, il suffit de regarder les journaux. Et quand Judith parle de la Palestine, il y a évidemment la répression directe, mais il y a aussi tout l'enfermement dans lequel on met le peuple palestinien, qui contribue aussi, je veux dire, c'est pas simplement les roadblocks, les surveillances, etc., c'est aussi l'étouffement de la vie quotidienne, notamment à Gaza, qui devient une prison à ciel ouvert, et ça fait partie justement là, donc la Palestine est un très bon exemple de cette violence qui a à la fois l'armée, la police, l'eau contaminée à Gaza, les oliviers arrachés, donc de vivre dans cet espace saturé par la violence que provoque l'État et son armée, sa police et ses corporations. Oui, merci. Justement,
Ça m'amène un peu à la question numéro 2. Alors, on pourra continuer. Je vois qu'il commence à avoir des questions dans le Q&A. Merci beaucoup de votre participation. Je vous invite à continuer à poser les questions. But for now, I'm going to ask a second question. So your work. Je vais passer à la deuxième question. Donc, votre travail parle de ceux et celles qui n'ont pas le droit à cette autodéfense, à la protection ou au deuil. Vous critiquez les discours dominants qui promettent la sécurité, la protection et la défense à certains et certaines sur le dos des autres, les non-protégeables, les indéfendables, les impleurables, ceux et celles dont on ne fait pas le deuil. De paternaliste, de patriarcal, de raciste et ou de colonialiste derrière ces discours et pratiques. Yet, how can we protect ourselves and our communities without reproducing or reifying? Donc, comment pouvons-nous nous protéger et protéger nos communautés sans reproduire, réifier ces logiques carcérales, sécurisantes et ou paternalistes? Je laisserai la parole à Françoise. Vous pouvez répéter la question, Françoise? Oui, bien sûr. C'est en gros vos travaux. Oui, ça va. C'est... Donc, vos travaux parlent des personnes qui n'ont pas accès à l'autodéfense, à la protection, au deuil. Et donc, vous faites une critique notamment de ce qu'il y a de patriarcal, de paternaliste, de raciste et de colonialiste derrière des discours des institutions qui promettent la sécurité, la protection et la défense à certains, mais sur le dos des autres, en fait, les improtégeables, les indéfendables, les indéuillables, si on veut. Et donc, comment est-ce qu'on peut se protéger et protéger nos communautés sans reproduire ces formes de logique carcérale, sécuritaire ou paternaliste? D'accord. J'avais écouté le début, mais la question, je ne l'avais pas saisie. Pardon, excusez-moi. Mais des formes de défense, il y en a toujours eu et il n'arrête pas d'en avoir. Donc, comment on se défend? Je ne sais pas, on peut je veux dire, comme je me suis aussi un peu intéressée à l'esclavage colonial, il n'y a que des défenses, des stratégies de défense constantes dans la plantation. C'est une constante effort d'imagination pour comment on va-t-on contrer les violences dans la plantation, dont évidemment la plus importante qui était ce qu'on appelle en français le marronnage, c'est-à-dire la fuite de la plantation. Donc il y avait le petit et le grand marronnage. Le petit, c'était de partir quelques jours. Donc je pense que la question, la construction, enfin les exemples abondent, donc je ne sais pas comment vraiment répondre à cette question parce que je ne vais pas donner un exemple parce que je trouve qu'il y en a, en fait, il n'arrête pas d'en avoir, je veux dire, depuis que ce soit les organisations pour défendre la terre, les travailleurs et les travailleuses du sexe qui se sont organisés pour se défendre contre les violences, les violences contre les féminicides. Peut-être que je n'ai pas. Parce que je n'arrive pas très bien à comprendre la question. Je veux dire, comment y répondre, que ma réponse est un peu dans tous les sens. Parce que des stratégies de défense, elles ont toujours eu lieu, puis il y en a tous les jours. Donc, excusez-moi, mais ma réponse n'est pas très claire. Enfin, elle n'est pas très précise, parce que je ne sais pas comment y répondre. Ça va, c'est parfait. Peut-être que vous pourrez revenir à la fin, si vous voulez. Elsa, si vous voulez apporter des éléments de réponse. Oui, moi, si je dois prendre aussi cette question, elle est pour moi assez intéressante parce qu'on a beaucoup, enfin là, on a déjà beaucoup discuté de cette question de l'état sécuritaire, de la légitimation, de la protection, mais qui est au fond une forme de stigmatisation et d'altérisation ou même de dépolitisation de tout ce qui va être en fait
menées en termes de construction d'autres formes de collectifs, d'autres formes de vie. Et je prends l'exemple, un exemple très concret. En fait, il est clair qu'une partie des grandes mobilisations ou des mouvements sociaux contemporains ont témoigné de cette capacité en fait de coalition pour l'organisation et la production d'une autre façon de produire nos conditions de vie. C'est-à-dire, c'est presque cette idée que je prends un exemple très concret, pardon. Il y a eu là encore en France des mouvements sociaux et des mobilisations et qui ont été qualifiées d'ultra-violentes et qui ont défrayé la chronique, et la classe politique a vraiment considéré une violence ignoble, à haute intensité, parce qu'il y avait des personnes juste qui prenaient la rue pour revendiquer un certain nombre de choses. Ou qui prenaient, par exemple, un territoire pour protéger ce territoire de la construction d'un aéroport, ou qui tout simplement demandaient justice dans le cadre des exactions policières. Donc, on voit bien qu'il y a aussi une attaque faite à la possibilité même de se défendre, mais au fond d'aller à l'encontre de la forme de vie qui nous est imposée en régime néolibéral. Et cette idée va faire jouer en fait toute une lutte idéologique sur le terme même légitimité, sur le terme de violence, sur le terme de droit, etc., etc. Donc, il y a vraiment une lutte idéologique sur les mots. Et le deuxième point qui m'intéresse ici, au fond, c'est précisément la dimension intrinsèquement patriarcale de ce qu'on a rappelé sur cette idée d'État sécuritaire. Mais alors, à partir de là, comment résister, comment se défendre, évidemment. On va pas commencer aujourd'hui, mais il n'empêche, il faut restituer cette tension extrêmement forte. Et je prends l'exemple des violences sexuelles, notamment. En fait, est-ce qu'il faut porter plainte ou est-ce qu'il ne faut pas porter plainte? Est-ce qu'il faut porter plainte avec la conscience que, au fond, l'appareil judiciaire qui est censé nous protéger, entre guillemets, ou en tout cas réparer un préjudice, est dysfonctionnel et intrinsèquement patriarcal, raciste, classiste, et que faire? Ça a des conséquences qui sont, en termes matériels, qui sont absolument cruciaux, c'est-à-dire les frais de justice. Qui a le droit, par exemple, d'acter en justice? Ça a des conséquences sur la question intracommunautaire. Quel mal ça fait aussi à l'intérieur des communautés, par exemple, de recourir à la voie légale. Je ne dis pas du tout que la voie légale n'est pas un terrain de lutte. C'est un terrain de lutte, évidemment. Et il n'y a pas à choisir entre comment résister, c'est-à-dire complètement en dehors ou à l'intérieur. Je dis juste que il y a certainement, ce que je disais tout à l'heure, des formes radicalisées de politique d'autodéfense qui relèvent de la subsistance alimentaire, de la subsistance en termes de lieux d'habitat, et que, dans une certaine mesure, un des points probablement qui est le plus politisé aujourd'hui, c'est justement sur la question de la police et de la pénalité, c'est-à-dire comment on fait sans police, ou comment on ferait sans police, puisqu'on sait très bien qu'une grande majorité de personnes ne peuvent pas faire recourir, par exemple, à la police ou à la justice. Donc, dans ce cadre-là, il y a une réflexion qui est incroyablement menée au jour le jour sur une façon de repenser aussi la régulation du conflit, la question des rapports interindividuels, le fait que les rapports de pouvoir traversent les collectifs, etc. Et le dernier point, et je finis là-dessus, Judith, Françoise l'évoquait, c'est sur la question de comment résister sans réifier dans une certaine mesure la dimension patriarcale, coloniale ou classiste
du cadre dans lequel nous avons à vivre, il y a vraiment un point sur la violence, l'épuisement des corps, et l'épuisement des corps militants en particulier, l'épuisement psychique des militants, enfin de la possibilité même de résister. Et probablement qu'on aurait une définition très serrée, mais très concentrée de ce que signifient les vies épargnées. Qui sont les vies épargnées ? C'est-à-dire qui sont les vies privilégiées ? C'est en partie les vies qui probablement ne font pas l'expérience de cet épuisement intellectuel, théorique, affectif, intime, qui enjoint d'autres vies qui n'ont pas le luxe d'être épargnées à toujours élaborer, inventer, fabriquer des modalités de résistance qui soient vivables. Merci beaucoup. Judith, if you want to answer as well. Yes, I think that... Oui. I'm aware that there Je suis conscient que il y a deux différentes utilisations du mot protection. Donc, d'une part, la question de comment est-ce qu'on gagne la protection de la violence. Et bien sûr, un des problèmes, c'est que nous avons tous perçu, c'est que la protection est très souvent liée au paternalisme, le patriarcat et même le pouvoir de la police et même la prison. Donc, en d'autres mots, la protection que nous voyons quand nous allons essayer de la trouver à travers la police ou l'État, c'est une qui ouvre une autre sphère de violence, donc celle de la violence carcérale. Et Françoise l'a déjà nommé dans son travail le plus récent que les féministes ont fait une erreur en se tournant vers des solutions carcérales pour la protection contre la violence et que nous devons essayer de trouver des modes collectifs qui sont extra-carcérales, qui sont à l'extérieur de l'institution, du complexe carcéral. Donc, je crois que c'est un problème car, d'une part, nous attendons à ce que les lois reconnaissent la violence sexuelle comme un crime et que la loi produise des punitions appropriées. Et quand les structures légales sont indifférentes à ces violences ou n'ont pas de concept de la violence sexuelle comme un crime, nous dénonçons, nous disons pourquoi vous ne reconnaissez pas ça comme criminel, pourquoi vous ne reconnaissez pas cela comme punissable. Donc, ça nous met, je crois, dans une session de tension, car nous appelons pour une plus grande reconnaissance légale et plus des punitions encore plus sévères, mais nous ne sommes pas en train de poser la question qui fait la punition, quel pouvoir sont en train de fortifier ces punitions en demandant à l'État de créer ces punitions pour notre bien. Donc, c'est une très grande tension et une contradiction, mais aussi pour les femmes, pour des personnes trans, les personnes pour les droits LGBT, pour les gens non-binaires, pour les gens, les personnes autochtones. Nous sommes tous à l'encontre de l'État et son apparatus à la fois à laquelle nous demandons et aussi ce que nous croyons qu'on nous doit dans l'optique de cette histoire coloniale. Donc, c'est notre tension, notre conflit. Donc, je croirais qu'un lieu de communalité, et je ne veux pas dire ça, je ne veux pas effacer les différences, mais il y a un espace où on peut se rejoindre, ou dans l'espace où on peut appeler à la à la protection, mais à l'autodétermination active dans le sens collectif, à la liberté, au pouvoir, donc à la transformation collective, donc comme quelque chose qui est plus important que la protection, qui ultimement rentre la question de
la responsabilisation et l'autonomisation que nous avons. Donc, on ne peut pas parler d'autoprotection, mais est-ce qu'on est seulement intéressé à se protéger nous-mêmes contre une violence externe? Oui, à un certain niveau. Si je suis sur la rue, quelqu'un m'attaque, c'est certain que je suis intéressé à l'autodéfense, mais je suis intéressé à reproduire la rue comme une place où je peux marcher sans problème, paisiblement. Et quand nous sommes en train d'applaudir les gens, donner de la vie sanctuaire aux Ukrainiens, il faut se rappeler qu'ils n'ont pas donné le sanctuaire aux personnes trans, aux réfugiés, qui n'ont pas rédigé une forme de protection pour ces gens, qui a repoussé les Syriens, qui a repoussé les Afghans, qui a repoussé les personnes vulnérables. Donc, il faut voir que la protection travaille toujours de façon différentielle, discriminatoire. Donc, on peut dire que c'est du protection washing, vraiment. Regardez comment les États-Unis disent, regarde comment nous protégeons les Ukrainiens, mais vraiment, qui est-ce que vous protégez? C'est quoi la discrimination, le différentiel de pouvoir par lequel ce mode de pouvoir fonctionne? Donc, je suggérais de toujours penser à travers cette logique, de voir qui décide, il faut observer qui décide, qui mérite cette protection. Et quand nous appelons à ce pouvoir, il faut être très conscient de qu'est-ce que nous demandons réellement. Je parle en français. Il y a une longue histoire de la protection dans la colonie. Il fallait protéger, la première chose à protéger, c'était la propriété privée des colons, et la suprématie blanche. Et dans l'exemple que vient de donner Judith, effectivement, pour la Pologne, il faut se souvenir aussi de ce qui s'est passé en décembre dernier à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne. Donc, tout d'un coup, il y a eu la création d'une zone de non-droit au sens où l'entend Fanon, c'est-à-dire de personnes qui étaient au-dessous de la ligne de ce qu'on appelle le droit, c'est-à-dire tous ces réfugiés des deux côtés de la frontière, les policiers arrosés d'eau glacée alors qu'ils faisaient moins 4 ou moins 5, avec des femmes, des enfants, des bébés, les gens qui erraient dans les forêts. Et que tout d'un coup, par contre, plusieurs mois plus tard, là, on accueille les réfugiés avec, justement, et qu'on met en avant toute une cause, une pulsion humanitaire qui est finalement les réfugiés, comme le disait, comme d'ailleurs des politiciens ont fini par le dire, parce que finalement, l'inconscient parle toujours, que c'était les blonds aux yeux bleus qu'on pouvait accueillir et pas les autres. Donc, même dans la protection, elle est traversée par la ligne raciale. Et puis, évidemment, et à l'intérieur de ça, ensuite, il y a évidemment toutes les personnes qui ne sont pas dignes, les travailleuses et travailleuses du sexe, les queers, les trans, les réfugiés, les migrants, qui sont mis dans des positions absolument incroyables, qu'on voit, je parle de l'Europe, mais on peut le voir aussi à la frontière des États-Unis avec le Mexique, c'est-à-dire il y a vraiment une constante production de zones de non-droit qui, à l'intérieur de, par exemple, l'Europe, qui se veut l'espace où seraient nés les droits humains, où se créent des zones de non-droit à quelques kilomètres du Parlement européen où se discutent justement les protections et où se votent des lois de protection. Donc, c'est pour moi aussi, c'est cette création de zones de non-droit qui se multiplient et qui ne sont plus justement simplement dans le sud global, qui sont aussi dans les îles grecques, à la porte de la chapelle à Paris ou à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne, ou à la frontière de l'Ukraine et de la Pologne aujourd'hui. Les zones de non-droit que produit l'État d'Israël tous les jours, où des Palestiniens vivent dans une zone de non-droit au sens que Fanon a donné à cette expression. Et justement, merci beaucoup, parce que justement, si je rebondis là-dessus, je vais passer aux questions du public, si vous voulez bien. Et il y a une question qui dit ici, je vais la lire. Last night, a sex worker was stabbed in Bois de Vincennes, in Paris. Hier soir, il y avait une travailleuse de sexe qui a été poignardée à Vincennes. Donc, les travailleurs du sexe ont toujours été en train de lutter contre la violence par l'autodéfense et elles sont en même temps de plus en plus définies comme des victimes par essentiellement et sont niées leur capacité pour se défendre. Donc,
Brooks a critiqué ce concept de victimerie partagée au centre des oppressions de femmes, surtout pour des femmes noires qui ne sont jamais représentées comme des victimes qui méritent. Donc, alors, la deuxième question, ce serait qui va un peu dans ce qu'on disait plus tôt. Qu'est-ce qui distingue les violences légitimes de celles qui ne le sont pas? Comment bien réagir face au mouvement d'ultra-violence? Comment se positionner face au mouvement de non-violence? Et peut-être une petite dernière, et il y aura une deuxième ronde de questions. Political action as self-defense is interesting as a concept. L'action politique est intéressante comme concept. Est-ce que j'aurais tort en associant, par exemple, le contrôle et l'ordre établi aux États-Unis comme une forme de violence? Quand vous serez prête, Elsa, si vous voulez commencer. Parole est à vous. Je suis désolée, j'ai pas bien entendu la dernière question. Pardon. Mais... Oui, pardon, je vous la répète. Political action as self-defense is interesting as a concept. L'action politique comme concept est intéressante en tant que telle. Est-ce que j'aurais tort en parlant de contrôle du port de l'arme pourrait-elle être vue comme une action d'autodéfense pour une population racisée? Bon, ok, parce qu'en fait, il y a une collision dans les langues, mais ok. Je ne sais pas si j'ai tout capté. En tout cas, je vais juste réagir très rapidement. Merci pour ces questions. Concernant la personne travailleuse du sexe qui a été poignardée la nuit dernière, je suis désolée, je n'ai pas... pris connaissance de ça, mais en tout cas il y a une chose que je voudrais rappeler. Il y a une formidable association en Belgique pour l'autodéfense féministe et qui forme des formatrices à l'autodéfense féministe, et notamment avec des modules pour les enfants, les femmes, les adolescents, les adolescentes, les personnes queer, trans, non-binaires et considérées comme... Enfin, sur toutes les problématiques d'assignation à une invalidité. Enfin, c'est une association extraordinaire qui avait mené une grande action de formation à l'autodéfense féministe et qui a beaucoup travaillé avec les travailleuses du sexe pour faire des ateliers d'autodéfense féministe. Et dans ces ateliers d'autodéfense féministe, en fait, les formatrices d'autodéfense féministe, les rôles se sont inversés. C'était les travailleuses du sexe qui étaient les formatrices d'autodéfense féministe. Parce qu'il y avait un savoir incroyablement, évidemment, quotidien, incorporé, théorisé, pour essayer de survivre aux violences et à l'exposition à la violence, du fait même, justement, que la victimisation et la criminalisation des travailleuses du sexe et le fait qu'on leur dénie les droits élémentaires, justement, faisait qu'il y avait comme seule action de survie aussi le déploiement de de nombreuses stratégies d'autodéfense. Et je voulais le rappeler. Et la deuxième chose, sur la question de l'ultra-violence et la question finalement où commence la légitimité, où commence l'illégitimité d'une résistance, c'est-à-dire d'un usage de la violence. J'ai essayé de mettre de côté dans une certaine mesure la question de la légitimité et de l'illégitimité, dans la mesure où, selon moi, dans la réflexion, dans la pensée politique, la question de la légitimité est trop prise dans une lutte idéologique entre la question morale du juste,
la question du droit et la question, au fond, d'une forme aussi de choix moral et éthique de l'individu. Mais ces trois niveaux classiques, on va dire, sont tellement imprégnés d'une guerre idéologique sur justement la légitimité étatique ou la légitimité en termes de valeurs, les valeurs de l'Occident, les valeurs de la République, les valeurs d'égalité, etc., dans lesquelles nous avons été baignés, qu'au fond, il y a une forme, on voit bien que l'usage, enfin, cette distinction légitime-illégitime est très compliquée. Et la dernière chose, c'est à ce propos, d'où mon intérêt d'aller chercher peut-être une autre échelle pour appréhender la question de l'agir, de la puissance d'agir. Non pas essayer de juger quelle réaction, que puis-je faire qui sera légitime, mais d'essayer d'aller retrouver dans une forme de réflexion beaucoup plus musculaire, corporelle, affective, presque individuelle, d'aller retrouver du côté du mouvement l'agir politique. C'est-à-dire, en fait, c'est indécidable. Je ne sais pas si, par exemple, je prends l'exemple de l'autodéfense féministe, est-ce que une personne qui est victime de violences et d'agressions sexuelles qui se défend, que veut dire bien se défendre? Que veut dire légitimement se défendre? Ici, en fait, la question de l'autodéfense, c'est juste se sauver, c'est juste survivre à ça. Et en fait, c'est pendant l'agression, mais au fond, c'est la question de l'avant-agression et c'est la question de l'après-agression. Et que l'autodéfense, elle est cette dignité que je peux rassembler, je peux incorporer à travers divers moyens, à travers divers collectifs, pour tenter de me sauver, pour poursuivre mon élan, pour, vous voyez, pour rester dans cet élan de vie. Donc c'est pour ça que je suis très réservée sur la discussion légitime, illégitime. Je crois que ce sont des questions aussi qui doivent nous obliger à changer d'échelle et à aller à la fois sur des réflexions très structurelles, mais aussi très, très intimes, très charnelles, et qui doivent nous obliger à changer d'échelle, c'est-à-dire aussi en termes de temporalité. C'est-à-dire en termes de temps politique. Qu'est-ce que ça veut dire l'occasion, le moment? Pourquoi à un moment donné, pourquoi ça marche? Pourquoi je crie à un moment donné ou pourquoi mon cri est enfermé dans ma gorge? Pourquoi un mouvement de révolte fonctionne ou pas? Donc, c'est toutes ces questions qui, à mon sens, on a besoin de les penser en changeant le cadre, en reconstruisant d'autres cadres. Et ce qu'on fait, d'ailleurs. Merci. Judith? Thank you. This is hard to follow because... Merci, c'est très difficile à suivre parce que je suis très, très inspirée. Laisse-moi dire que, pour poursuivre ce que Elsa vient de dire, qu'une raison que la violence et la non-violence ne sont pas ultimement des enjeux qui appartiennent à la philosophie morale. Est-ce que c'est bien de commettre la violence dans cette circonstance ou pas? Est-ce que la non-violence est moralement supérieure à la violence? C'est cette abstraction de choses que nous faisons dans la philosophie morale. Donc, ça ne fonctionne pas. Et la raison que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on ne peut pas... suivre comment ces manifestations ont lieu dans des circonstances sous différents pouvoirs. Donc, il faut regarder toutes ces propositions et voir qui est en train de réclamer ceci, qui questionne cela, et comment est-ce que cette dénonciation d'une chose peut soit changer le nom ou défaire l'idée qu'une certaine violence existe et devrait exister.
Donc, je pense qu'une chose, quand on commence à discuter de questions de violence et non-violence, c'est on oublie que ces arguments ont lieu dans un monde dans lequel ces termes sont déjà monopolisés et mobilisés pour des raisons très spécifiques. Donc, une philosophie morale doit être transformée en discours d'analyse politique et philosophique, mais surtout politique, pour avoir du sens. Donc, le port d'armes et le contrôle de port d'armes, je crois que c'est une question de justice raciale et même de réparation. C'est un enjeu de réparation aux États-Unis, surtout. Aussitôt qu'en 1840, ce que j'ai compris, c'est la violence a été utilisée dans les États du Sud, la violence avec les armes pour esclaver les gens. Et les gens qui étaient abolitionnistes, donc le droit au port d'armes, c'était seulement pour les maîtres d'esclaves et pour pouvoir contrôler les esclaves et leur soi-disant propriété. Et donc, les gens qui étaient compris comme des esclaves. Mais de façon très intéressante, et c'est important de comprendre pour l'intersection des pouvoirs, les arguments qui ont été faits pour la liberté à accéder au port d'armes est basé sur l'idée de masculinité. Si ta masculinité était insulté ou agressé, tu avais le droit, si ton honneur était menacé, tu avais le droit de te protéger ou de réagir. Donc, cette utilisation de violence d'armes, donc le port d'armes était compris comme une façon pour les hommes blancs de se protéger contre les esclaves, mais aussi pour protéger leurs femmes contre des menaces perçues. Prévenir la misogynie, donc bien sûr, comme nous savons, les maîtres d'esclaves blancs avaient le droit d'exploiter sexuellement les femmes noires et les esclaves noirs comme ils voulaient. Donc la question de propriété, d'esclavage et de suprématie blanche, tous ces enjeux étaient impliqués dans la question du contrôle du port d'armes et le droit du port d'armes, donc surtout aux États-Unis. Donc, je crois comme une façon de pouvoir fournir des réparations pour l'esclavage, on devrait passer des lois pour le contrôle du port d'armes parce que c'est fait de façon différentielle, essentiellement pour soutenir la suprématie blanche, la misogynie et l'esclavage. Oui, la remarque que faisait Elsa sur la question de sortir du légitime, illégitime, je pense que c'est tout à fait important de le souligner. Mais moi, je voulais un peu répondre peut-être de manière différente. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la colère et la rage sont tout à fait... il faut les avoir, il faut être en colère, il faut être saisi par la rage de ce qui se passe et que ce ne sont pas des sentiments négatifs, ce sont des sentiments profonds et très importants pour la lutte et qu'à côté de la colère et de la rage, parce qu'il faut vraiment... il y a aussi évidemment la tendresse et la solidarité qui agissent pour que justement aussi élaborer les stratégies de réponse. Mais pour moi, la colère est absolument est un sentiment politique si évidemment elle se transforme, se canalise. Mais sinon, parce qu'il y a une production de passivité aussi, les choses sont comme ça, le monde a toujours tourné ainsi, qui est constamment fabriqué tous les jours et qui produit comme une espèce de naturalisation aussi de la violence et une racialisation de la violence qui est constamment naturalisée. On le sait aux États-Unis, mais en France aussi c'est pareil, c'est-à-dire les corps des jeunes garçons, des jeunes hommes noirs et arabes sont a priori dangereux,
sont a priori dangereux, donc il faut avoir peur. Et ça, c'est vraiment, je trouve que ça fait partie aussi des luttes contre cela. Je pensais aussi que cette violence patriarcale, étatique, avec la police et l'armée, qui utilisent pas seulement donc, de tuer, mais le viol, la torture, l'assassinat, et qui sont souvent impunis aussi, produisent de terrorisme, sont là pour terroriser, pour mettre vraiment pour induire, produire de la peur. Et donc comment on surmonte la peur et donc ça fait partie justement de des stratégies, parce que la peur c'est un élément très très important du pouvoir, de faire répandre la peur, de si on proteste on sera sévèrement puni, on sera envoyé en prison, on sera privé de ci, sans parler d'aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, les campagnes sur les réseaux sociaux, ça fait partie aussi d'une constante censure, mais au sens profond, vraiment, de tout ce qui serait de la colère et de la rage, et que ce soit pas tout ce qui est, enfin, on connaît comment sont visées les femmes qui sont en colère, elles sont hystériques, les femmes noires qui sont en colère, elles sont méchantes. Enfin, je veux dire, tout cela, c'est aussi, pour moi, de rétablir, de redonner à la colère et à la rage leur aspect positif. Et puis cette question, oui, de surmonter la peur, de surmonter la terreur, et qui se fonde en général sur la solidarité, sur l'amour entre les personnes. Sinon, c'est pas possible. On n'est jamais, on peut pas lutter seul. Et mais justement, donc dans cette question d'être colère et de rage, c'est-à-dire de ne pas entrer justement dans les débats, mais vous avez été violente, vous devriez, si vous parliez de manière raisonnable, on vous écouterait. Si vous présentiez les choses de manière polie, on vous écouterait. Mais pourquoi ? Je veux dire, il ne faut pas avoir peur donc de crier de ne pas être poli et respectable. La politique de la respectabilité fait partie des politiques de pacification. Donc, comment toute cette pacification, ces stratégies politiques de pacification sont mises en place, chaque fois de criminaliser les mouvements révolutionnaires ou les mouvements sociaux de changement, elle en a parlé, mais c'est constant, cette production constante de la criminalisation des mouvements révolutionnaires et de leur pacification ensuite. C'est-à-dire d'ouvrir un tout petit peu la porte, d'avoir quand même 2-3 personnes qu'on va mettre là pour faire taire les autres, de faire parler donc des personnes racisées ou des femmes ou des trans pour dire, mais vous voyez, si vous vous intégrez là-dedans, si vous acceptez les normes et les lois, les choses vont bien se passer. Donc dans la lutte contre la violence, il y a la violence justement claire, mais il y a la lutte contre cette forme aussi de pacification, qui était aussi présente dans la colonisation. La colonisation, c'était évidemment d'un côté le bâton, et puis de l'autre côté, d'ouvrir un tout petit peu la porte à ce qu'en français, dans le français colonial, on a appelé les évolués, c'était 2-3 personnes qu'on allait faire rentrer pour que ces personnes agissent, deviennent des agents même de l'oppression, et montrant que des choses sont possibles, une certaine harmonie, un certain ordre est possible si on accepte les lois du patriarcat et de l'État. Donc pour moi, les luttes, c'est aussi ça, c'est-à-dire comment on lutte contre la constante production de division à l'intérieur des mouvements pour surmonter constamment ces mouvements. Les assassinats sont quand même, par exemple, il y a eu Marielle Franco, puis il y en a constamment, ça fait partie de la terreur qu'impose l'État. Pourquoi vous voulez que je me taise? Ben, juste, si vous voulez, parce que ça embarque déjà sur ma troisième question. Hein. Je me dis, je vais la poser et vous pourrez continuer après, parce que justement, la troisième question que j'allais poser pose des questions sur les pistes de résistance que vous offrez. Et donc, je me disais, c'était le bon moment de rebondir pour moi, mais on pourrait y revenir. Donc ce que je voulais te demander, c'est en gros, vos ouvrages offrent des pistes intéressantes pour penser la résistance contre les violences dont vous parlez, les violences racistes, les violences sexistes, sexuelles, les violences étatiques, les violences économiques. Professor Butler, you write about aggressive nonviolence
Professeur Butler, vous écrivez sur la non-violence agressive enracinée dans les liens sociaux. Tout à l'heure, mais j'aimerais bien vous entendre plus là-dessus. Et professeur Dorlin, vous parlez des éthiques martiales de soi, donc ce qu'elles font au corps, ce qu'elles ouvrent comme possible. Qu'est-ce que ces notions offrent comme, comme piste de résistance face à, par exemple, la montée des extrêmes droites partout? So what tools of resistance can these notions offer in the face of rising far-right movements, for example? Quels outils de résistance ces notions peuvent-elles offrir face à la montée de mouvements d'extrême droite, par exemple? Non, ça va, je peux attendre encore. En fait, c'est votre tour, alors si vous voulez commencer. Sinon, on peut vous revenir plus tard. J'entends plus du tout. D'accord. En fait, je disais, c'est votre tour de parole. Vous pouvez le prendre maintenant ou si vous voulez, on peut revenir à vous plus tard. D'accord. Alors, Judith, do you want to answer? Peut-être Judith, si vous voulez donner une réponse. Oui. Je crois que nous avons entendu une double référence dans la dernière intervention d'Elsa, quand on pense aux mouvements sociaux, aux mouvements politiques, par exemple. Mais si je ne me trompe pas, Elsa parlait aussi des mouvements corporels, la liberté de mouvement des corps. Et je pense qu'on pourrait réfléchir à cela dans cette question, et peut-être avec ce que Françoise disait aussi au début de son intervention. Elle parlait de cette question de la capacité à respirer, non? Donc, des fonctions vitales. Qui peut bouger? Qui peut se déplacer? Qui peut respirer? Alors, je pense qu'il faut d'abord se poser ces questions-là avant de se demander qui peut ne serait-ce que parler ou faire entendre sa voix pour des revendications. Par exemple, le problème d'un état carcéral. C'est une forme de violence en soi qui a une très longue histoire, une histoire qui est liée à la colonisation, qui est liée à la subordination raciale, mais qui est aussi liée à la violence sexuelle. On doit se demander qu'est-ce qui est fait à un corps quand il est contenu, quand il est criminalisé, quand il est contrôlé. Je pose cette question parce que dans le contexte du système carcéral, mais aussi donc ce qui se passe dans une prison, mais aussi comment le système carcéral fonctionne à l'extérieur des prisons, c'est-à-dire son impact et le type de pouvoir qu'il a sur la vie quotidienne à l'extérieur de la prison. Donc, il y a la question des actions de la police, de qui peut être protégé, de qui ne peut pas, de qui n'est pas, ne mérite pas être protégé, qui peut respirer ou pas. Une des choses que j'ai reprises du travail d'Elsa sur l'autodéfense, que je pense qui est très important, si je peux, c'est cette thèse selon laquelle les structures sociales n'agissent pas sur les corps comme une force externe, mais en fait, elles sont imbriquées dans le corps, elles sont incarnées. Et que les gens vivent la matérialité de ces structures. Et donc, ce qui est ciblé, par exemple, dans le cas du pouvoir carcéral, on pourrait dire que ce qui est ciblé dans ce cas-là, c'est la force vitale du corps, sa capacité même à bouger, à s'exprimer, à exprimer quelque chose sur sa vie même. Donc, ce qui est attaqué, ce que j'appellerais les forces vitales qui sont sous attaque dans un système, cette lutte pour pouvoir continuer à vivre, à exister dans des conditions d'oppression aussi fortes, donc une lutte épuisante pour la survie, et Françoise a mentionné, non, cette notion d'épuisement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'études contemporaines qui travaillent sur la question de l'épuisement. Rinkman et d'autres ont travaillé là-dessus.
Par exemple, les soulèvements populaires, les résistances, cette capacité à régénérer la vie, la force vitale du corps. Puisque les mouvements sociaux ne sont pas juste actifs en public, dans les rues, mais ils ont aussi des réseaux dans lesquels ils régénèrent la vie elle-même, le corps, ses capacités. Et ces actions, ces réseaux de régénération des corps, c'est ce qui permet de lutter. Sans ces réseaux, nous ne sommes pas des machines, nous ne pourrions pas continuer à résister. Et il n'existe pas seulement ce moment où visiblement on agit politiquement, mais il y a aussi tous ces moments où on reproduit, où on régénère notre capacité d'action en régénérant cette force vitale. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Dans la création pour moi de ces espaces pour reprendre l'expression de Judith, de la régénération du corps et aussi de ce qu'on a dans la tête, c'est-à-dire il me semble pour moi cette question de l'épuisement à la fois physique et psychique est énorme et devient de plus en plus énorme. Il n'y a pratiquement plus d'espace où se reposer. Donc le droit au repos n'est pas du tout autorisé. Ce qui me frappait, notamment quand j'écoutais des réfugiés, c'est-à-dire qu'ils parlaient de n'avoir pas pu se reposer, par exemple, pendant trois ans de leur fuite ou cinq ans, c'est-à-dire d'être constamment de dormir, comme on dit en français, d'un œil ou d'une et parce que finalement, ils étaient toujours sur la tension de la police qui va arriver ou des milices ou des fascistes ou de l'extrême droite qui va arriver. Et donc cette question aussi dans la lutte de la nécessité d'avoir des espaces pour se reposer. Pour se reprendre de la force, me semble essentiel aujourd'hui parce que l'espace se restreint, l'espace de respiration et de mouvement se restreint de plus en plus. On voit que, par exemple, si on prend l'exemple de la France, même la liberté de manifester est de plus en plus restreinte. Je veux dire, on a à peine commencé la manifestation, qu'on est complètement gazé par les gaz lacrymogènes, qu'on ne peut plus respirer, que la police a une tactique de couper la manifestation en morceaux pour qu'on soit séparés les uns des autres et que justement on soit, dans cet affaiblissement du corps collectif qui se met en route dans la rue, dans les rues. Et de le couper justement pour affaiblir cette force qui est en train qui se met en mouvement et qui se rend visible à ce moment-là. Donc c'est vrai, c'est cette constante attaque sur le droit de à la fois de respirer, de se reposer, de se ressourcer, de se régénérer est extrêmement important. Et c'est pour ça. Je disais que pour moi, une des questions aujourd'hui, c'est comment recréer des refuges et des sanctuaires. Alors, évidemment, je pense il y a l'exemple de l'Underground Railroad, mais il y a d'autres exemples. Il y a les exemples de refuges et sanctuaires contre le fascisme, contre le nazisme, dans les guerres coloniales. On sait que, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, ça a été essentiel d'avoir des refuges et des sanctuaires pour les combattants et les combattantes algériennes. Donc, pour qu'il y ait ces endroits où, effectivement, puisqu'on se ressource dans le mouvement social lui-même, mais aussi des espaces où, justement, ces forces dont le but est d'épuiser, de constamment d'épuiser la force, la life force, la force de vie, mais aussi la capacité d'imaginer quelque chose qui serait possible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer tellement on est constamment à réagir aux choses. Et comment ne plus être coincé dans une constante réaction?
récemment, il y a une jeune chercheuse palestinienne qui a été interdite, dont la conférence a été interdite à Vienne. C'était il y a 2 semaines. Et donc, évidemment, on a été plusieurs à réagir. Mais la question, c'était, mais est-ce que dans un mois, on ne va pas encore être assigné une pétition, envoyer des lettres, et que finalement, on va être constamment prise dans cette réaction constant, et qu'on n'arrive pas à desserrer l'espace dans lequel on est enfermé, desserrer cet espace où on est simplement donc, dans la réaction. Et donc les mouvements de solidarité sont extrêmement importants, les mouvements sociaux, les mouvements où on peut justement à un moment donné aussi retrouver de la joie, et puis simplement parfois dans le moment même, un moment d'insouciance. Et quand Ruth Wilson-Gilmore appelle ça « life in rehearsal », c'est-à-dire les répétitions à travers lesquelles des moments où on répète ce que pourrait être la vie ou le monde, comme disait Judith, le monde au début de l'intervention, le monde que nous voudrions, c'est-à-dire que justement que ces moments-là nous fassent entrevoir aussi et ce qui serait possible en dehors de cette culture. Et donc c'est constamment la liberté de circulation qui est entravée, la liberté de parler qui est entravée, la liberté de respirer qui est entravée, et donc Elsa le dit très bien sur la question de comment le corps se remet lui-même à retrouver sa force. Mais pour moi, c'est vraiment cette question de l'épuisement, puisqu'on est absolument aussi aujourd'hui essentiel de lutter contre une économie d'extraction qui n'est pas simplement donc l'extraction des matières premières et bien sûr qui est très importante, mais l'extraction même des idées que nous avons, des idées que nous développons et qui sont cannibalisées, pacifiées, adoptées et recrachées et constamment, et ça aussi, ça fait partie de l'épuisement. Ça fait absolument partie de l'épuisement et donc de constamment, et là peut-être... Mais ça, c'est une proposition. Pour rebondir sur le fait, quand Elsa disait « ne rentrons pas dans le truc légitimité », peut-être aussi de ne pas constamment se demander aussi qu'est-ce que font les autres, mais de laisser aussi de travailler, nous, notre imagination, de vraiment de créer des espaces où on travaille notre imagination. On laisse notre imagination vraiment, mais on la travaille sérieusement, c'est-à-dire vraiment sérieusement, on se met à imaginer d'autres possibles. Voilà, ben, merci beaucoup. Et justement, si on retourne. Thank you so much. So if we would now go back to questions from the audience. There are questions about how to create sanctuaries, places of respite. So similar questions, even while facing extreme exhaustion. Des idées semblables. Comment créer des espaces, des sanctuaires pour fuir la violence? Françoise, il y avait aussi une autre question qui demandait comment pensez-vous la question de la mutualisation et la question de l'alliance pour que la lutte contre les violences ne repose pas que sur les groupes les plus exposés à la mort? Donc, cette question des alliances, et donc on est vraiment là dans les questions pratiques sur la résistance. Aussi, dans le même sens, les femmes racisées qui subissent des violences genrées au sein même de leur communauté se retrouvent prises avec une double inhibition. Elles préfèrent ne pas en parler pour ne pas briser la communauté, mais aussi pour ne pas nourrir les discours racistes à l'encontre des hommes racisés, pointés du doigt comme des corps dangereux et violents. Quelle porte de sortie voyez-vous de cette double inhibition? Quelle tactique, stratégie d'autodéfense à vos avis? Alors, j'irai avec Elsa, si vous voulez répondre à une ou plusieurs de ces questions. Je vais y répondre avec plaisir. Je vais peut-être répondre juste à celle d'avant. Mais ça va peut-être répondre à quelques questions. En fait, je voulais revenir sur, parce que vous avez cité l'expression éthique martiale de soi.
qui fait référence aux pratiques de résistance des personnes esclavagisées, telles qu'on peut les reconstituer dans l'archive des dominants et aussi dans la mémoire et les traces préservées de la mémoire des luttes, mais aussi dans la mémoire des imaginaires, dans la mémoire des gestes, dans la mémoire des corps, et dans justement ce que disait Françoise, cette transmission de génération en génération dans la capacité de créer et défendre des refuges. Mais ce que j'entends par éthique martiale de soi, c'est davantage sur cette idée d'entraînement ou d'assaise, ce que j'appelle une assaise, un exercice de soi. Et on l'a vu avec la référence à Ruth Gilmore, cette idée de préparatif, cette idée que peut-être le moment du politique commence précisément dans le préparatif, dans l'entraînement, dans l'avant, sachant qu'il y a, on pourrait caractériser la matrice de la domination ou le dispositif selon deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que dans une certaine mesure, il y a une rationalisation de l'évitement de l'affrontement. Le régime dans lequel nous vivons n'a pas intérêt à l'affrontement et a besoin de réduire les occasions d'affrontement. Et pour réduire les occasions d'affrontement, on peut par exemple fonctionner avec faire peur, ce dont il a été question beaucoup, et cette idée faire peur de façon exemplaire, au sens où plus tu vas résister, plus tu vas souffrir. Et je vais te montrer ça sur les corps des autres. Afin que dans une certaine mesure, on produise une sorte de subjectivité dominante derrière son écran et qui se dit à elle-même, jusqu'ici, ce n'est pas moi, jusqu'ici, tout va bien. Et donc, c'est vraiment cette idée d'intériorisation de l'impuissance d'agir. On l'a beaucoup pensé sur les formes de, par exemple, on a parlé de formes de domestication, on domestique les individus. On a beaucoup parlé aussi de la question des formes de distorsion psychique que ça induit. C'est-à-dire le monde me dit de ne pas bouger et moi, à l'intérieur, je suis enragée. À l'intérieur, je demande justice. À l'intérieur, ma colère gronde et je suis impuissant ou j'ai peur, etc. Donc, c'est tout ce dispositif qui permet de comprendre que le politique... Le processus de politisation des vies, en fait, est à ce moment crucial du préparatif où on est dans cette tension entre ce que Judith a appelé être hors de soi, cet état d'extase politique, de sortir de soi, et en même temps ce que Françoise aussi théorise avec l'idée du refuge, de la vie paisible. C'est aussi l'idée de se poser en soi, de se ramasser, de souffler. Et donc, c'est cette contradiction entre sortir de soi, s'éclater soi-même comme un produit du pouvoir et en même temps se ressaisir dans une forme d'assaise, d'exercice, de pratique de soi qui passe par la question des cantines solidaires, donc la question de la nourriture, des lieux solidaires, la question de l'éducation, la question des transports solidaires, la question des ressources partagées en commun, la question du commun, des communautés de vie possibles et qui sont expérimentées. Mais quand on parle au fond de ce moment de préparation, c'est une préparation au combat. Ça passe par la préparation à la violence. Ça passe par la préparation aussi à anticiper ce que je vais faire, ce que je peux faire. Et cette idée d'imagination politique, elle est source de joie parce qu'elle est très matérielle, elle est très concrète. Ça veut dire se nourrir, préparer des repas, préparer une manifestation, préparer une grève, préparer une fête. Mais ça signifie aussi, dans une certaine mesure, se préparer à l'affrontement. Et on l'a vu, par exemple, on a des ressources pour ça. Je pense notamment, et Judith, je pense totalement, enfin, fondamentalement à ce que dit Simone Veil sur la grève.
et elle parle de joie pure de la grève, mais des préparatifs de la grève. Et c'est là où quelque chose comme un nous se constitue. Et on le voit aussi aujourd'hui avec les mouvements féministes, queer, trans, en Argentine, qui se préparent et qui chantent et qui se mobilisent et qui finissent par casser des genoux et lancer des cocktails Molotov sur les tribunaux et les commissariats de police. Merci. Françoise ? Ce que vient de dire Elsa, je trouve que c'est très important parce que, par exemple, moi, je garde toujours des moments militants, des moments de mobilisation, beaucoup plus les souvenirs de préparation que le souvenir de l'action elle-même. Le avant et après sont beaucoup plus souvent en mémoire pour moi que le moment même. C'est-à-dire parce que bon, l'avant, c'est aussi bon, évidemment toutes ces préparations. Et puis, c'est d'imaginer ce qui va pouvoir se passer. C'est-à-dire et puis, l'après, c'est de pouvoir se dire « Ah tiens, on l'a fait ouais. !» Et en fait, je dis ça, c'est ce qui se garde en mémoire. Et très souvent, dans les discussions que j'ai avec des personnes avec qui j'ai milité, on parle... Le souvenir revient beaucoup plus de la préparation ou de l'après. Par exemple, si on a dîné après ou on a été allé boire un coup, c'est de ce moment-là dont on se souvient. Et c'est extrêmement important. Puis parce que je pense aussi que c'est des moments de désir, de grand désir et de joie, comme on le disait. Et que c'est justement, ça échappe complètement à toute l'économie dont on a quand même beaucoup parlé, qui est cette économie d'épuisement, d'extraction, de constante attaque sur le soi. Et on l'a rappelé aussi ce que ça fait psychiquement, c'est-à-dire comment ce sont des machines. Psychique, il y a le titre d'un livre d'un psychanalyste, enfin qui est pas sur ce sujet, mais le titre c'est l'effort pour rendre l'autre fou ou l'autre folle, et je trouve que c'est un titre assez parlant pour ce que nous vivons, c'est-à-dire l'effort pour nous rendre fou ou folle, mais évidemment au sens où on va nous mettre à l'hôpital psychiatrique, pas le sens où folle de joie, hein, c'est pas le sens dans le sens folle de joie. Et c'est vraiment assez frappant parce qu'on le voit par exemple toute la question de la santé, ce qu'on appelle la santé mentale, et l'expression que je trouve très problématique, mais comment effectivement avoir ces espaces de répétition, d'imitation, où justement quelque chose peut échapper à cette constante destruction de la perception de soi et des autres, quoi, d'être séparé de soi et des autres, qui est constamment répété. Je pense aussi qu'il y a quelque chose, et d'ailleurs tous les mouvements sociaux, les mouvements politiques le font, c'est-à-dire la question de la transmission est aussi une source extrêmement importante pour justement qu'on sorte de soi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même qui se transmet constamment. On est là. Et je pense aussi pour moi, si vous voulez, ce qui ressort de ces longs siècles de lutte, c'est le fait qu'il y a toujours cette pulsion de lutter. Elle s'est jamais arrêtée. Au plus fort de la nuit coloniale, pour prendre l'expression de Fanon, mais ça n'a jamais arrêté. Donc, c'est aussi cette pulsion, cette énorme force de vie qui court constamment, que ne peuvent pas quand même complètement abattre les dictatures, le patriarcat, l'économie extractiviste. Et ça, c'est absolument, je pense que c'est ça qui aussi fait le plus peur au pouvoir, et que c'est ça aussi que le pouvoir essaye de détruire, cette pulsion qui est peut-être, je ne sais pas si Elsa serait d'accord, mais qui est peut-être en lien justement avec cette question du corps, d'un corps vivant qui refuse qui ne se soumet pas.
Donc, voilà, je pense, pour moi, c'est aussi de s'appuyer sur cette force de vie, en fait, s'appuyer, c'est-à-dire de se souvenir qu'elle est là dans une atmosphère constamment mortifère. Il y a une pulsion énorme. Et c'est quand Elsa cite les femmes au Chili, parfois aussi quand je vois, par exemple, les jeunes mexicaines qui prennent d'assaut les rangées de policiers, je trouve ça, c'est absolument, ça donne une incroyable force. Parce qu'il y a quelque chose là d'une force de vie qui n'est pas du tout, qui ne peuvent pas canaliser. Et c'est de ça qu'ils ont toujours eu peur. Et c'est pour ça que, comme le rappelait aussi Judith et Elsa, la punition a souvent été publique. Parce que justement, malgré tout cela, malgré les punitions publiques, malgré les dons, cette force de vie s'exprimait. Et elle continue. Et donc, c'est une constante lutte entre cette guerre qui est faite à cette pulsion de vie. Donc, voilà. Donc, je pense que. Ouais, merci. Judith, le mot de la fin, c'est à vous. OK. There's so much now. Il y a tellement maintenant à dire. Briefly, I want to. Brièvement, j'aimerais amener notre attention à la destruction de la Terre qui a lieu à ce moment, les processus d'extravisme qui ont besoin d'être réfléchis dans leur complexité, dans leur modalité très, très complexe. J'aimerais suggérer que l'extravisme ne prend pas juste des métaux précieux de la Terre pour la détruire pour des communautés vivantes, mais c'est aussi en train d'attaquer la vie des communautés autochtones, surtout au Brésil, au Chili, aux États-Unis, en Palestine. Et j'ai beaucoup de difficultés récemment que la Cour constitutionnelle en Israël, dans le cas de Massaf El-Yatta, un jeune Palestinien, un jeune village palestinien, un petit village palestinien, ils ont déterminé que la destruction des maisons-là était légitime, la violence contre les habitants de ces maisons était légitime et que les Palestiniens qui sont là sur les terres, qu'ils ont appelés Israéliens, est légitime. Donc, c'est une attaque sur les personnes autant que les terres. Et je crois que les gens qui ont vécu trop longtemps avec cette idée que la terre et les gens sont séparables radicalement. Mais dans le cas de la Palestine, la terre et le peuple sont en fait irrévocablement liés. Qu'est-ce que la terre est fait partie de la vie de la personne. Donc, ce que nous sommes en train de voir est, de façon emphatique, surtout au Brésil sous Bolsonaro, c'est l'attaque sur les personnes autochtones. C'est aussi un exemple d'extravisme extrême et de violence extrême. Et malheureusement, mais je souligne de façon importante, ça se passe à travers les cours. Donc, c'est une violence juridique qui est établie de façon légitime et qui est établie par des cours comme l'Israël.
je ne sais pas comment ils s'appellent, les cours suprêmes, etc. Donc, je crois que cela nous ramène à cette question de vie, de source de vie, de cette question de désir de vivre. Qu'est-ce qu'on veut dire par la vie? La droite a une idée de d'où je vis et de qu'est-ce que... Et ils vont nier la vie à l'avortement, basé sur la question de vie, pour soutenir leur demande. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a une personne féministe, un mouvement trans, féministe, décolonial, antiraciste, qui soutient la vie? Je pense que quand nous appelons pour des espaces, nous devons réclamer l'idée des processus de la vie, de la terre, des habitations, la vie des corps. Nous devons revendiquer ce qui est la vie pour nos luttes. Ils ne peuvent pas posséder cela. Ça nous appartient. Je suis aussi rappelée à le travail de Silvia Federici sur son travail à ce sujet. Et je veux aussi dire en Palestine, on va souvent voir une pancarte où les gens tiennent des pancartes qui disent « Nous existons ». Peut-être je devrais dire autrement, nous existons. Mais c'est aussi un peu ironique et vraiment anticlimatique. Mais sous quelles conditions est-ce que pouvoir déclarer l'existence est légitime? Mais des conditions sous lesquelles l'existence des Palestiniens est constamment niée. Il n'y a pas de Palestiniens, il n'y a pas de vie palestinienne à reconnaître parce que les Palestiniens ne vivent pas sous son condition et circonstances-là de violence coloniale. Il faut comprendre que le droit à vivre, à exister, sont radicalement politiques comme demandes. Et elles sont des demandes qui prennent place, des revendications qui ont place de différentes façons. Elles peuvent contenir la joie, elles vont peut-être aussi contenir la rage. Elle pourrait aussi être de façon un mélange syncopé de la joie et de la rage. Pour plusieurs d'entre nous qui ont été engagés dans des mouvements sociaux pendant longtemps, on titube entre la joie et la rage constamment. Pouvoir chanter, faire des blagues, danser, chanter. Je me souviens quand les gens de Tahrir sont venus au parc Ducati à New York. Et ils ont dit, où est la musique? Et les gens à Ducati ont dit, mais on a une bibliothèque. Ils ont dit, non, votre révolution ne va pas réussir. OK, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, merci infiniment à nos panélistes qui se sont si généreusement prêtés au jeu aujourd'hui, partagés avec nous leurs pensées. I hope it gave you all a lot of food for thought. I know. J'espère que ça vous a nourri vos réflexions, vos analyses. Je voudrais remercier Caroline Jacquet, Andréane Martel au soutien à l'animation et à la technique. And I would also like to thank Tiffany Pollock and Andy Schwartz. J'aimerais aussi remercier Cindy Pollock et Andy Schwartz pour la logistique. Directrice du Center for Feminist Research et ma fabuleuse tante Julie Châteauvert du CRITS pour leur soutien et leur mentoring dans l'organisation de cet événement. Et finalement, un gros merci à Blandine Jux et Jadis Dumas de la coopérative Largo pour avoir fourni l'interprétation aujourd'hui. So I want to thank you all for joining. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour votre participation. Et pour vos excellentes questions, j'aurais aimé avoir le temps de répondre à toutes vos questions. Une excellente journée, soirée, nuit, matin. Merci beaucoup à tout le monde. À la prochaine. So thank you very much. Merci. 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 Merci à vous. C'était fascinant.